Bonjour Frère Maxime, comment nous est? C'est GFL Cuisine Créole, Jean Fédon lundi, votre chef à la maison qui rentre la canou, moi dit nous merci. Merci pour confiance nous, merci pour fidélité nous et merci pour bouche à l'oreille nous continuer à faire pour moi. Je dis à la moelle préparer pour nous un pâté codé de luxe. Lorsque je parle de pâté codé de luxe, c'est vraiment un luxe. Là, moi venir avec farine, on se débat dans le monde. Ça, c'est homard. Moi déjà montré nous comment pour nous cuire au homard déjà. Moi j'y viens avec nous pour montrer nous. Il déjà cuit déjà qu'on a mal seulement décortiqué, on va prendre toute viande qui est dans l'eau et puis on va mélanger avec d'autres choses. Moi je fais partage en 12h à 15h à l'avance. Moi j'ai 8 tasses de farine là. Pour 8 tasses de farine là, moi prends 3 tasses d'eau, moi mets celle là-dedans Jean qu'on a besoin. Ça c'est une graisse y aurait les gras de canard. Moi mettez demi tasse de gras de canard dans 8 tasses de farine moyen. Et moi mettez 3 tasses d'eau dans tout là-dedans. Qu'on a là, moi le fait pas pâté codé. Moi fin bien pétri pâte là là. Qu'on a une fois que pâte là bien pétri, qu'on a qui ça me va le faire, moi prendre mettre un papier saran wrap dessus. Une fois que me mettez papier saran wrap là, m'a quitté là pour jusqu'à demain si Dieu veut. Même venir avec homard là là, m'étant décortiquement moi couper lui. Bien arrangé, qu'on a m'va ajouter tout ingrédient, moi prendre mettre là-dedans qui va le faire c'est un pâté cordé. De luxe. Oui, c'est un pâté cordé de luxe haïtien. Mais un bon petit crevette de matin, moi venir là, son crevette normal aussi. Moi mettre là-dedans. Même venir avec moule, moi mettre là-dedans là. Ça simplement là, c'est déjà de luxe. Même venir avec un petit oignon rouge coupé en petites cubes. Poivron et tout, moi mettre là-dedans poivron rouge et poivron jaune. Même venir avec l'ail haché là, moi mettre là-dedans. Ça, c'est un petit piment bouc émincé, bien ciselé. Même quitter quelques graines là-dedans pour qu'il y ait un petit piment piquant là-dedans. Pour qu'il y ait un petit goût piquant, je vais mettre là-dedans. Ça, c'est une cuillère de jus de citron, je vais mettre là-dedans. Ça, c'est un produit qui est le caviar. Mais caviar là, je vais mettre là-dedans. C'est un produit très luxueux. On a mis assaisonnement. Mais avant de mettre assaisonnement, je vais montrer nous yon bagay. Ça, c'est l'irée de ciboulette. Si on met un package de ciboulette là, pour nous mettre le persil haché là-dedans. Qu'on a là, on va le hacher. Moi, fin bien émincé et ciselé. Qu'on a là, on dépose directement dans la garniture. Fini que je finis mettre. Si vous êtes là dans la garniture là, qu'on a mis sel. On met poivre. Qu'on a fait mettre tout assaisonnement, qu'on a pris le temps qu'on a pour bien brasser. On a vraiment qu'on pas mettre l'huile là-dedans. Qu'on a qui ça pas lever, c'est citron qui a fait tout effet pour nous. On pas besoin mettre l'huile parce que l'huile là en dedans pâté elle pas vite rien. Pâté en dedans qui t'en fait lui-même avec un gras de canard. Je vais quitter là pendant au moins 3 heures de temps. Et puis, venez, je vais commencer à faire pâté codé pour nous. Mais pâté là, venez, c'est pas fait. Regarde. Ça, c'est ça qui est important, c'est l'eau va mettre doué tout là-dedans. Il faut doué tout capable de quitter en pointe pour le bien mou. Regarde. C'est ça qui est important. L'eau coule là, regarde. L'eau coule là, regarde-moi. C'est une pâte parfaite. Une pâte de luxe. Ça, c'est. Ça fait 3h, 4h que j'ai mariné là. Regarde-moi ça. C'est parfait. Moi, j'ai l'huile moi j'ai chauffé déjà à l'autre côté dans la friteuse là. Mes pâtes moi là. Et puis mes garnitures moi là. On va commencer. Moi, je prends un petit morceau de pâte. Grosset qu'on voulait. Ça, c'est vous même qui prenez grosset désiré à la maison. Regarde. Pâte moi, c'est excellent. Regarde ça. Waouh. Dans l'opra de manger pâté ça. Ou gen goût grad canal là qui va entrer dans bouchou plus explosion de homard tout mélange ça c'est vraiment l'oral manger le voile sentir c'est le luxe.
qui est dans la bouche. On fait nous pas moins bien ouvert. Nous mettons une cuillère de garniture de luxe, nous mettons là-dedans. L'important lorsque nous faisons un pâté, faut ne pas mettre trop garniture pour traverser pâte. Regarde, là moi fin mettre ça comme ça, regarde, moi fais ça, moi déposer pâte là toujours ne pas quitter garniture la traverser. Une fois que moi fin bien mettre pâte moi à côté, toute garniture moi en dedans caché par en dedans là qu'on a me aplati à côté. Évitez pour gain liquide qui dépasser côté qui va coller ensemble là. Pas fait ça. Moi fait yon na toujours. On va continuer de suite ensuite et puis après ça, on va venir traverser l'autre côté pour mal monter. Nous on moi fin fait pâte là, moi pâte là, moi rouler même gain 5 là comme ça, même gain rouler tout. Qu'on y a la main lui moi te gain mettre le préchauffer pas trop hein. Ça veut dire si frites ou de 1 à 10, on va mettre à 7,5. Lorsque vous faites un pâté, sous besoin bon résultat, il sort dans la chaleur et la quantité que vous mettez dans la chaudière. Et pendant que vous mettez, vous quittez le fait seulement une minute et demie comme ça avant pour commencer à piquer. D'accord, si vous quittez le fin trop sec et laissez le piquer, qu'on a qui ça va arriver, la trop cuite qu'on a là, il va juste craser pour rien. Là, moi-même, ça a déjà fait une minute comme ça, je commence à faire petit tout ici. Parce que là, ça, vous rentrez vraiment dans la pâte là. Là, ça c'est une couleur idéale. Ça c'est parfait là, excellent même. Regarde, à cause de tout ça on fait là dans là, moi certain à 100% pâté à pâte là à l'intérieur tout cuit. Qu'on a là, on va continuer faire toute ratio et puis l'aime fin fait toute ratio et puis qu'on a m'a venir pour moi casser pour montrer là. Une belle pâte de luxe moi là, un bon bagage yo, mais yo c'est bien fait hein. Regarde-moi, c'est bien coloré, pas trop, c'est parfait. Du premier jusqu'à la fin, regarde, ça c'est le même qui dernier. Regarde, uniforme. Pas oublier, c'est un pâté de luxe créole. Grande question pour me répondre dans ça pour nous, ok? Ça crée le caviar là. Caviar là, c'est le même qui c'est œufs poisson. Je vais faire une pâte là. C'est parfait ça, regarde-moi ça. Waouh. Regarde-moi crevette là. Crevette là, ça c'est homard là qui là. Caviar là, lui-même, c'est lui-même qui vient fondre là. C'est vraiment bon. Tout gouyo explosé l'embouchement. Ok? Petit piment très bon là-dedans aussi. Pas oublier de partager la vidéo pour moi. Hein? Pas oublier de faire ça. C'était GFL Cuisine Créole. Jean-Fédolin dit, votre chef à la maison, tente la canou. Merci. Au revoir.